Salut toi, tu vas bien? Je sais, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. C'est un peu compliqué ma vie, là. Je cours un peu dans tous les sens. Entre le boulot, les séances de kiné qui continuent, tout ça, voilà, j'ai un petit peu moins de temps. Et puis surtout, rien à voir avec la choucroute, mais je me suis remis sérieusement à la guitare après avoir subi un arrêt forcé pendant trop de temps. Et, du coup, ça me prend beaucoup de temps de me remettre un petit peu les doigts sur le manche et de réussir à tirer quelque chose de correct. Voilà, c'était 36-15 ma vie, c'est fini. Non, c'est pas fini parce que voilà, c'est un peu particulier comme trajet. On n'est pas sur un vélo taf, là. Enfin, pas le mien. Hein. On est sur notre fils aîné, Babylouk, donc bientôt 15 ans, hein, qui est en troisième et qui devait faire un stage de troisième. Et donc, il a choisi tout naturellement exactement la voie que nous avaient déconseillé tous ses professeurs, c'est-à-dire n'aller surtout pas au travail de papa ou de maman. Hein. Donc, il a choisi le travail de maman. Donc, maman travaille dans une boutique de vélo qui est magnifique, qui s'appelle L'Échappée Belle, 71 rue de Nanterre, à Agnières-sur-Seine. Et il est allé passer la semaine, non pas accolé au basque de sa mère, mais avec tous les corps de métier qui composent cette boutique. Donc il a fait de la mécanique, il a observé la mécanique, il a été en clientèle, il a fait du rangement, du tri, enfin tout ce que tu peux faire quand tu travailles dans une boutique de vélo. Alors il est 18h30 et je vais chercher Babylouk à l'Échappée Belle, 71 rue de Nanterre, à Agnières-sur-Seine. Notre grand bonhomme de presque 15 ans. En stage de troisième. Avec sa mère. Sauf que ce soir, il y a réunion à la boutique. Donc, pour lui éviter de rentrer à 32h du soir, papa d'amour vient le chercher. Parce qu'il était à mort. Et là, je me retrouve dans une configuration absolument inédite. Où tous ces gens prennent une voie réservée à la RATP. Voilà, personne ne dit rien. Bon, ça faisait un peu redite, ça. Donc, effectivement, voilà, il passait la journée intégralement, du matin au soir, avec toute l'équipe. Et puis, surtout, eh ben, le plus important, c'est que, ben, comme il y allait avec sa mère, eh ben, il y allait aussi à vélo. Pourquoi j'insiste là-dessus? J'ai déjà fait une vidéo de loisirs où on roulait avec les enfants. C'était bien sympa, c'était ambiance week-end, lumineuse, beau temps, en t-shirt et tout ça. Bon, là, c'est une autre affaire. Là, on est sur du vélo taf, de nuit, avec les intempéries. Mardi, ils sont bien fait saucer au retour. Voilà, il y a d'autres problématiques. Et puis surtout, il y a 2 fois 8 kilomètres. Voilà. Il faut les faire aussi. Quand tu le fais pas quotidiennement, bon, c'est à la portée de tout le monde. Mais voilà, il le sentait un petit peu sur son popotin, justement. Et puis avec la fatigue de la journée, parce que c'était des journées bien longues pour lui aussi. Départ 9h, retour 20h. Oui, ça fait une bonne grosse journée. On y va tout doux. Mais vraiment tout doux. Il n'y a pas de porte ouverte. Ça va, tout va bien. À noter que là, je vais le chercher, hein, donc je roule tout seul. Hein. Je roule pas de la même manière avec lui non plus. Regarde, ça va très vite à observer. Oh putain, je viens de voir passer un tandem avec un gamin qui pédalait devant. Je te jure. Bon, dommage. La définition 4K, toute 4K qu'elle est, la caméra en faible luminosité, un tandem loin de l'autre côté de la chaussée. Ça rend pas bien quand tu zoomes dans l'image. Mais c'est génial, tu vois. Tu pars chercher ton fils, justement, à vélo. Et puis, tu vois passer un tandem familial avec le parent derrière et l'enfant devant. Trop bien, excellent. Bon, cet itinéraire, à proprement parler, tu l'as vu déjà pas mal de fois. Hein, c'est un petit peu mon quotidien. On va dire ça comme ça. C'est absolument mon quotidien, en fait. Sauf que là, je suis dans des heures que je ne connais pas. Hein. J'ai voilà, 18h30, 19h. C'est pas dans mes habitudes. Il n'y a pas le même trafic de piétons que 6h45 ou 7h le matin. C'est complètement différent. Même si, pendant la période de grève, c'était assez sidérant parce que parfois, l'axe du tramway, enfin, le trafic du tramway était complètement bloqué. Soit parce qu'il n'y en avait pas, c'était la grève, soit parce qu'il y avait des véhicules qui bloquaient le trajet du tram.
Et donc là, tu réalises à quel point ce tramway, il transporte énormément de monde. Parce que tout d'un coup, tu te retrouves avec une marée humaine, vraiment, qui envahit totalement le trottoir et la piste qui est sur le trottoir, justement. À ce moment-là, tu te retrouves avec énormément de gens. C'est sidérant. Tu vois que le concept de transport en commun est quand même redoutablement efficace, quoi. Bon, tu as pu observer que dès qu'on a tourné à gauche pour entrer dans la gare de Colombes, il y a une disparition instantanée de tout aménagement cyclable. Hein. Sur le boulevard de la République, c'est très très véhiculaire. Néanmoins, c'est large. Et puis donc, pour quelqu'un qui a un profil assez véhiculaire comme moi, ça me pose pas de problème. Puis on voit que je suis pas le seul, c'est bien. Ça grouille un peu de cyclistes dans tous les sens, dans ces heures. Tant mieux, ça fait un petit peu effet de masse critique. Un petit peu. On n'est pas dans les mêmes parts d'usage qu'on observe actuellement à Paris, où ça a totalement explosé. Tu n'es pas sans le savoir. Donc moi, ça me convient bien le véhiculaire comme ça quand c'est bien large, mais ça me pose quand même un petit problème pour le retour quand je vais rentrer avec mon fils. Donc pour le retour, je vais prendre un maximum, la petite bandelette qu'il y a sur le trottoir, voilà, de l'autre côté. Et toute discontinue qu'elle est d'ailleurs, à cause des travaux. Là, ici même, j'en ai une à droite, là tu distingues des petits clous là sur la droite, sur le trottoir. Voilà, c'est telle qu'elle est faite, quoi. Comme c'est un axe départemental, ce n'est pas du ressort de la politique cyclable de la mairie de la gare de Colombes, qui du coup échappe, voilà, j'avais l'occasion d'en parler à propos des deux seules pistes, bancs des pistes de Levallois-Perret, où justement, à contre-cœur, les Balkanis ont dû observer l'apparition de ces deux aménagements cyclables dans leur commune, dans lesquels jamais, au grand jamais, ils n'auraient aimé voir un seul aménagement cyclable. Anyway. Ensuite, la rue Madeira, et puis plus tard, l'avenue de la Lozière. Bon, écoute, c'est sens unique, à double sens cyclable, c'est franchement assez paisible si tu te mets à une bonne allure, c'est pareil. Bon, et puis il roule pas, voilà, c'est pas Baby Louquette, Baby Look, hein, il en a sous la pédale, y a pas de problème. Même si ce soir-là, il me confiait qu'il était vraiment cané et qu'on irait tout doux. Tu verras qu'à un moment, il va se réveiller. Alors ça fait un petit kilomètre qu'on est arrivé à Asnières, là. Asnières, c'est une ville qui a beaucoup, beaucoup évolué en faveur du vélo ces 3-4 dernières années. C'est vraiment un bonheur. Les premières fois que j'allais à l'Échappée Belle, c'était pas du tout le cas. Et puis, vraiment, ouais, depuis 3-4 ans, on a vu fleurir les sas vélo, les contresens cyclables, les zones 30 et tout. Vraiment, il y a pratiquement pas une seule rue à sens unique qui est pas cyclable à contresens à Asnières. Il y a énormément de panneaux de céder le passage qui ont été posés dans tous les sens aussi. Ça devient très agréable. Bon, même si là, je suis sur un axe qui est vraiment un axe de transit, donc c'est pas opportun d'aller y mettre une piste cyclable, c'est clair, mais il y a moyen de faire des petits détours et de passer par des axes plus paisibles, somme toute. Par exemple, là, j'arrive rue de Nanterre par le double sens cyclable, voilà. Et ça va nous permettre de découvrir l'Échappée Belle 2.0, telle qu'elle a ouverte au mois de décembre. Désormais, la boutique historique est devenue un giant atelier, un giant, rien à voir avec la marque de vélo. Et l'ancienne Société Générale est devenue la grande boutique. Merci, dame. Et pourtant, je suis au bout de ma life. Hein. Oui, mais pourtant ça, c'est ça. Non, je termine une grippe, là. C'est... Ouais. Donc, je fais pas de bisous. Je dis bonjour comme ça. Voilà. Le stagiaire, mais très mal se passer. Ah ouais? Ton fils n'a pas fini ses devoirs. Mince. Donc, il reste ici jusqu'à 19h30. Oh, très bien. Même pas peur. J'ai cuit mon filet mignon, donc ça va, c'est bon. Tu sais ce que tu peux faire rapidement? Tu vas aider à côté, il faut que tu sortes les cartons. Quelques instants plus tard. Messieurs, dames, j'ai un filet mignon à sortir du four et des enfants à coucher, à nourrir et à coucher. Non, j'ai envie de te dire que je vois que tu vas pas faire un peu ça. Qui? Ah ouais? Il est rôti? Ah bah très bien. Très bien, très bien, super. Toute la journée. Excellent, excellent, excellent. Excellent, super, merci à vous. Tant mieux, on va lui mettre 8 bornes à 30 de moyenne et puis ce sera parfait. Super. Je pense que là, tu vas finir de lâcher. Allez, bisous, à tout vite. Bon, c'est bien, ok, j'en prends note.
Putain, ça bouchonne, il y a des vélos partout. Ça va, Pouf? François m'a dit que t'avais bien bossé, que t'avais couru partout, que t'avais bien donné. Et Patouille, je te fais juste un check parce que je suis plein de microbes. J'ai passé le week-end au pieu. T'as fait comment hier soir? T'as roulé devant maman ou derrière maman? Derrière? D'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Comme tu veux, mon cher. Check. Le petit bonhomme. Mets ton petit tour de cou à la maman. Non, parce que hier, j'avais oublié le mettre au début du truc, j'avais pas remonté ici. Ouais, là. Ouais. C'est comme au ski. Ah oui, oui, t'avais froid aux oreilles. En plus, il pleuvait, il y avait du vent. Ouais. Papa, c'est possible que 1, j'aille pas vite, 2, j'ai très mal au fesses, 3, j'ai très mal aux jambes. Deuxième jour, mal aux fesses, normal. Classique. T'inquiète. On va y aller tranquille. T'inquiète. C'était trop bien ce petit moment d'intimité à l'échappée belle, non? Messieurs dames, est-ce que c'est sérieux? Papa, on mange quoi ce soir? J'ai trop faim. Ce soir c'est filet mignon, rôti au four, patates, carottes. C'est de la bombe, non? Après une bonne grosse journée. Ah ça, sa grosse journée, il l'a eu. C'était son deuxième jour là, il a commencé mardi, on était mercredi soir, honnêtement, exactement comme François l'a dit à la boutique, il était rôti, rôti comme mon filet mignon, il n'en pouvait plus. Bah Bilouk, il est sur l'ancien vélo de sa mère en fait, hein, parce que maintenant il est à la taille de prendre n'importe quel vélo à la maison. Tu roules à ton rythme et moi je m'adapte. Donc, que ce soit mon croix de fer, le Cannondale Quick Speed 3 de sa maman. Ah, elle est encore un peu basse, ta selle. Hein. Alors, on l'a un peu équipé avec nos choses. Hein. En l'occurrence, la veste Vulpine là, qui porte, elle est à moi. C'était un grand moment de solde et de pétage de plomb parce que ça coûte très très cher, ce genre de veste. Et puis, donc, j'expérimente voilà, un retour... à la maison, mais pas du tout en mode récréatif, quoi. On est dans un univers très véhiculaire, complètement. On est toujours à Agnières, mais on est sur des axes à double voie, et puis ça circule dans les deux sens. Ah ouais, on va attendre. Hein. On est deux. Voilà. Et puis, faut se faire sa petite place. Donc, je n'avais de cesse de lui répéter de bien prendre sa place, de bien s'écarter des voitures, en stationnement, en l'occurrence, pour éviter le coup de la portière, hein, comme on dit. Voilà. Mais j'étais beaucoup moins tranquille qu'à l'habitude. Là, on est dans des heures où il est 19h30, là. Voilà. Tout le monde est pressé de rentrer chez lui, que ce soit à vélo, à pied ou en véhicule motorisé. Le problème, c'est qu'en véhicule motorisé, il peut se passer des choses tragiques. On l'a lu cette semaine, justement. Un petit enfant de 3 ans, 4 ans, qui s'est fait écrabouiller sur un trottoir. Voilà, sur un trottoir. C'est juste... voilà, il y a un problème. Allez, on vient se placer là. Et dès que le bonhomme passe au vert, il y a une petite rupture de continuité. Après, on va pouvoir rejoindre la piste. Pas forcément tout de suite après les barrières, mais au prochain carrefour, quoi. Dès qu'on est sur la piste au trottoir, elle n'est pas évidente, celle-là. Enfin, elle est mal marquée, elle est entre deux rangées de clous. C'est un peu pourri, quoi. Nous, hier, on l'a pris sur la piste. Ouais, bah voilà. Bah, on peut rester si tu veux, hein. C'est toujours tout droit, là. Après, il y a du bus qui va nous doubler, mais c'est toi qui vois. Bah, vas-y, va devant. Je te laisse y aller. Voilà. Sois prudent. On a un peu de distance avec les voitures à droite. Après, voilà, moi je réagis en tant que père. Exactement comme je réagis là, comme je suis en train de le coacher. Je suis en train de le coacher, mais je suis pas tranquille, vraiment pas. C'est-à-dire que moi ça m'arrive pas de flipper comme ça sur mon trajet. Et là, je me rends compte que quand j'accompagne la chair de ma chair, mon gamin de presque 15 ans... T'as pas tiré ta couche? Arrête-toi, je vais te la tirer. Hop là. Tu verras sur la vidéo, ça marche très très bien. T'es très visible. Je suis pas bien.
suis pas bien. Je suis pas bien parce que je lis trop de choses, trop d'histoires. Allez, on y va. Prends pas ça, non, c'est de la merde. C'est de la merde. Allez, retourne. Vas-y. Tu passes devant et tu traces. Là, il faut tracer. Trop de d'histoires tragiques, hein. Alors attention, hein. Dépassement par la droite, théoriquement, c'est pas légal. Hein. Enfin, c'est pas théoriquement, c'est sûr. Alors, maman a tendance à faire ça, effectivement. Voilà. Mais je te le dis, ouais, toujours tout droit. Je te parlais là, voilà. Un enfant de 3-4 ans maximum qui s'est fait écraser par un 4x4 sur un trottoir quand l'enfant allait à l'école. C'est quand même un truc de fou, quoi. On prend notre place, on roule à la même vitesse que les voitures. Il n'y a pas de souci. Et si jamais on veut doubler, on prend par la gauche. Ok ? Puis bien sûr, alors, c'était un enfant qui était sur un vélo, une draisienne. J'imagine que c'était une draisienne, évidemment, à cet âge-là. Et dans les commentaires de l'article, enfin de tous les articles que j'ai lus à ce sujet, c'était le traditionnel victim bashing, victim blaming. En mode, oh là là, mais on met pas un enfant sur un vélo dans la ville. Mais il était sur le trottoir. Les enfants peuvent circuler à vélo jusqu'à 8 ans sur le trottoir. Il était sur le trottoir. Il y a un 4x4 sur le trottoir dont le conducteur a tué cet enfant sur le trottoir. Ce n'est pas normal. Regarde ce qui vient à gauche, personne, ok. Regarde ce qui vient à droite, ça n'arrête pas, le devait. Voilà. Là, on est en zone piétonne, donc on a le droit de rouler à allure modérée et priorité piéton maximum. Et moi, pendant ce temps-là, bah, je tournais la manivelle avec mon fils. Ben, ça fait beaucoup réfléchir, tout ça. Effectivement, bien souvent, on entend dire « il faut jamais faire confiance à un enfant ». C'est vrai, effectivement. L'enfant, il n'est pas responsable de lui. C'est le parent qui est responsable de l'enfant. Et donc, il faut le coacher, il faut le surveiller, il faut le guider. Et tu vas voir un peu plus tard que j'ai eu un raté, justement. Mais beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce que je l'ai vu venir, mais parce qu'il s'est mis à tracer, mais vraiment à tracer comme il n'avait pas tracé depuis le début. Voilà, c'est pas ce qu'il avait annoncé. Et donc il m'a surpris parce qu'il est parti pleine balle et je connais très bien cette entrée de garage ici. J'avais même prévu de le briefer là-dessus, mais j'ai pas eu le temps. Et il a failli se faire dégommer. Et puis moi, j'ai essayé de le rattraper parce que je sais qu'il y a la sortie aussi de la station-service qui est problématique aussi. Donc, je voulais surtout pas le perdre là-dessus. Ah, c'est le feu super con, tu vois. C'est le feu où il n'y a jamais personne. Voilà. Bon, parce qu'il y a un code de la route, on le respecte, tout ça. Voilà. Tu vois, par exemple, bim, le rouge, voilà. Ah, elle a pas le temps. Bref, on en a recausé tous les deux de cet épisode. Il a senti venir aussi, hein. C'est marrant. Hein. Il a senti venir, mais il est parti tête baissée là-dedans. Donc moi, j'ai eu très peur. Et puis, voilà, a posteriori, avec ce que j'ai lu, ce qui est arrivé cette semaine, ça me fait beaucoup réfléchir, ça me fait beaucoup flipper, en fait. Voilà, flipper en tant que père, en fait. Moi, je me suis toujours débrouillé avec tout ça. J'imagine que lui, il est aussi dans un contexte de débrouillardise, là, même si c'est précoce, sa manière de faire. Là, on se jette à la traversée du pont de Beson. Avec des feux qui sont plus tellement verts pour les piétons. Bah, c'est con, hein, c'est quand tu t'insères et que ça passe au rouge, au moment où t'es inséré, bah bon, voilà. T'as deux choix, soit tu piles, soit t'y vas à fond les ballons. Voilà, c'est le pont de Beson qui fait mal. Putain, il y va le petit con. Ah, le péteux. Vas-y, qui c'est le patron? Viens voir papa, patapeuf. C'est qui le patron? Ah bah c'est lui. Ah, un petit con. Il m'a dit, vas-y papa, on y va doucement. Oh, un petit con. Ça va se payer, ça. Supplément légumes verts. Vas-y, petit prout. Tu m'as fumé sur le pont de Beson, là. J'ai pas rêvé.
Non, parce que si je partais pas maintenant, j'ai eu carré. Oui. Dire que je suis mort. Alors, la douche, on va prendre, on va tomber de mer, et on s'assure que les gens se sont arrêtés. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne s'arrêtent pas. C'est bon. Attention, la deuxième, c'est tout de suite. Voilà. On fait gaffe. Voilà, un petit bonhomme, il était censé être rôti, il était censé être au bout de sa life, mais pas du tout. Moi j'étais au bout de ma life, parce que j'ai terminé un épisode grippal total, genre en mode PLS, quoi. Genre j'ai passé un week-end entier au fond du lit, voilà. En mode le mec qui est malade et qui croit qu'il va mourir, bah, c'était moi. Voilà, la base. Bref, lui, il a eu un. Donc, on est parti de l'échappée belle. Il était en mode papa, s'il te plaît, vas-y, on y va doucement, tout ça, voilà. Et puis, sur le pont de Beson, il m'a décapité totalement. Donc là, on remonte la rue de Pontoise, et puis là, bah, c'est la favela. La favela de l'aménagement cyclable. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que c'était un aménagement cyclable obligatoire, hein, avec un panneau rond, du genre, t'es obligé de passer par là. Donc il y a des trous partout, des problèmes de bitume, des problèmes de. Des marches de 3 cm. La petite pause pour le pain. C'est pas la boulangerie habituelle, c'est la boulangerie plan B. Mais on rentre un peu trop tard pour avoir une tradition là, il n'y en a plus. C'est une baguette, il aime pas ça la baguette lui. Ouais, j'ai décidé de te la faire sur le vif, hein. Cette daily observation, au naturel quoi. En mode tranche de vie aussi, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez certains et chez certaines justement. Merci, bonne soirée, à bientôt. Et plus de tradis, c'est une baguette. C'est l'aventure. Quand j'avais ton âge, les tradis, ça n'existait pas avec les baguettes. Ouais, c'est moins bon. Hein. Ouais. Mais la leur est pas mal, en fait. Allez, c'est une marche. Ah ouais, t'as pas peur pour les roues, toi? Tu veux prendre Maurice Berthaud ou Frère Bonnef, la piste à double sens? Maurice Berthaud, c'est la chaussée. Frère Bonnef, c'est la piste, là. Bon, allez, Frère Bonnef. Allez, Frère Bonnef. Bon, bah voilà, on est arrivé, là, on est dans le quartier. Hein. Je tenais à m'excuser, hein, vraiment, encore, d'avoir pas publié de réel daily observation depuis très longtemps. Encore une fois, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça, malheureusement. Et puis, en plus, parallèlement à ça, mes trajets d'hiver sont très monotones et très sombres. Dont 5 km dans le noir absolu, dans le bois de Boulogne, donc c'est pas très joli à l'image, déjà, d'une part. Et puis, d'autre part, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à partager des daily observations. Donc, de toute façon, il y a de la matière à regarder. Moi-même, je passe beaucoup de temps à visionner un petit peu tout ce que je peux voir chez les personnes à qui je suis abonné. Voilà, on va conclure un petit peu cette vidéo voilà, sur un trajet, somme toute, relativement véhiculaire avec un enfant de près de 15 ans. Voilà, il y a encore des progrès à faire en termes d'aménagement, hein, tout simplement. On a bien vu comme ça explosait à Paris actuellement. Et ça se fait très très vite et à beaucoup d'endroits. Bien sûr, c'est pas parfait. Hein. Il y a des endroits où même sur les pistes, c'est un peu le coupe-gorge. Bon, voilà. Imaginons qu'un jour, nos enfants pourront circuler vraiment en toute sécurité et avec du respect. Voilà. Ce qui compte, c'est d'être respecté par les gens et pas comme ce qu'on a vu à la station-service où la personne lui a tourné dessus, m'a tourné dessus, et sans aucun clignotant, sans rien, enfin sans même respecter les règles. C'est tellement tristouille. Et puis le respect des règles pour tout le monde, hein, que ce soit dans un véhicule, que ce soit à pied, que ce soit évidemment à vélo. Je crois que ça commence par là, pour tout le monde. Du respect, s'il vous plaît. Et voilà, c'est fini. Un petit bisou. Salut.